L'histoire d'un roi, un tyran, un roi mauvais, un roi méchant, un roi qui n'avait d'intérêt que pour le pouvoir, la conquête de nouveaux territoires ou encore accumuler de nombreuses victoires. Il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, n'entendait pas plus loin que le pavillon de ses oreilles. N'avait que faire des histoires de son royaume. Il ne pensait qu'à lui, à lui seul. Et là, pendant toute cette nuit-là, il lui a raconté des histoires. Des histoires de tout, des histoires de rien, des histoires qui venaient d'ici, mais qui allaient ailleurs. Des histoires sur la beauté du monde, la naïveté des gens, des histoires qui l'ont fait pleurer et d'autres qui l'ont fait sourire. Des histoires de métamorphose qui l'ont fait réfléchir. Mais pendant toute cette nuit et jusqu'au lever du soleil, le roi a écouté sans en perdre un seul mot. Cette histoire commence dans une petite ville charmante, où il faisait bon vivre. On se demandait même comment ne pas y être heureux. Et pourtant, dans cette ville, il y avait un homme qui, lui, était noir de l'intérieur. Il n'aimait rien, rien, rien. Il n'aimait jamais rien. Il critiquait tout depuis sa tendre enfance. Il n'aimait rien, rien, rien. Il n'aimait ni la pluie, il n'aimait ni le beau temps. Il n'avait pas d'amis, il n'aimait pas les gens. Il n'aimait ni le ciel, il n'aimait pas la terre. Il n'aimait pas les arbres, il n'aimait pas la mer. Il n'aimait rien, rien, rien. Il n'aimait rien. Mais cet homme, un jour au détour d'une ruelle, il a croisé le regard d'une femme. Et cette femme, au plus profond de lui, elle a vu quelque chose. Et ce qu'elle a vu lui a fait dire, cet homme-là, je sais ce qui lui manque. Il lui manque l'amour. Alors je vais lui donner. Et elle lui a donné l'amour. Et alors c'est vrai que au matin de la première nuit, il s'est réveillé, il était plutôt content. Au matin de la deuxième nuit, il s'est réveillé, il était encore un peu content. Mais bon, au matin de la troisième nuit, il était retombé dans sa noirceur. De nouveau, il n'aimait rien. Rien, rien. Il n'aimait ni la... Tu sais ce qu'il me racontait, mon grand-père, quand j'étais petit? Mon grand-père, il disait, on croit que les oiseaux, ils chantent. Non, les oiseaux, ils chantent pas. Les oiseaux, ils rigolent. Les oiseaux, ils se marrent. Et c'est parce que les oiseaux, ils se marrent et qu'ils rigolent que les fleurs, elles poussent. Et c'est parce que les gens rigolent que les fleurs, elles poussent. Si personne rigolait, si personne souriait, les fleurs, elles pousseraient pas. Nous sommes dimanche soir, septième jour de la semaine. Tuolan est en train d'œuvrer au 49e portrait de sa semaine. Une petite fille qu'il a croisée le matin même sur la place du village. Dehors, l'ambiance est inquiétante. Le vent souffle, l'orage gronde, la pluie tombe. Mais rien, non, rien ne peut déranger Tuolan dans son travail. Quand soudain, on frappe à la porte de la cabane. «
C'est l'histoire d'un homme qui par-dessus tout aimait les gens. Et il aimait tellement les gens qu'il passait la majorité de son temps à essayer de les rendre heureux. Il y mettait tout son cœur, tout ce qu'il avait de meilleur. Tout son cœur, tout ce qu'il avait de meilleur.